La question de la liberté, savoir si l'homme est véritablement libre dans son choix, est un sujet de controverse entre l'islam et le judaïsme. L'islam sunnite, essentiellement, admet ce qu'on appelle le fatalisme, hérité donc de la philosophie, enfin, de la mythologie grecque, comme quoi tous les actes de l'homme seraient déterminés à l'avance. Et le judaïsme, par contre, enseigne quelque chose d'extrêmement important au niveau de la responsabilité morale, c'est que l'homme est véritablement libre. Or, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à accepter, parce que la liberté implique donc la responsabilité. Mais si on réfléchit bien, on peut comprendre que la responsabilité, c'est la plus grande joie du monde. Il vaut mieux même subir les conséquences néfastes de cette responsabilité que d'être totalement irresponsable. Il vaut mieux être un homme, pleinement homme, et même être puni pour ses actes, plutôt que d'être une pierre ou un champignon.